Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au grand duel de la LNI. Un prestigieux tournoi individuel dans lequel 16 improvisateurs parmi les meilleurs au monde s'affrontent pour nous offrir un grand spectacle qui va nous servir à déterminer qui est le meilleur improvisateur à l'heure actuelle au Québec. Vont jouer pour nous ce soir, d'abord en rouge. Elle est deuxième sur 300 au classement général de la Ligue nationale d'improvisation. C'est la tête de série numéro 3 de ce tournoi. Une grande joueuse, une fière compétitrice, Sophie Caron! En bleu, il est humoriste, animateur et comédien. Jeune, il a fait partie des meilleurs espoirs québécois en improvisation. Son imagination est aussi foisonnante que sa chevelure. Accueillez avec moi, Réal Bélan. On salue notre musicien, Monsieur Éric Desranleau. Et pour arbitrer le match de ce soir, un être intraitable, Monsieur Yvan Ponton. Bon match à tous! Une mixte pour 3 minutes libre et qui a pour titre Un moment privilégié. Je suis contente que tu aies accepté de me reconduire en avant. Fait plaisir. Depuis que mon père est mort, ouais. C'est comme un peu toi et mon père. Ouais, je sais. Même si on a 2 ans de différence, puisque c'est moi qui est plus vieille. Ouais. Je suis désolée pour tout ça, là. Oh, c'est pas grave. En tout cas, moi, je suis prête, là. Je sais pas si toi, t'es... Je ne sais pas si je suis prête. Là, c'est comme dans... As-tu vraiment fait le bon choix, tu penses? Ben, il est obèse. Au moins, je courrais pas après. Ouais. Après tous les gars que j'ai courus dans ma vie. Non, mais tu sais, tous les préjugés, puis tout ça, tu sais, le monde parle, puis... Tu sais, les obèses, c'est, on s'entend que c'est mal vu, là, de plus en plus, non? Je le sais. Tu vas faire de quoi pour ça? J'ai toujours attendu un signe. J'ai toujours attendu. T'en as jamais fait. Écoute, j'essayais de t'en faire, mais il est tellement gros, j'étais en arrière, puis j'étais pas quand même... Comprends-tu? Jamais pensé à faire le tour. Moi, t'avouer que je voulais comme pas le blesser. Tu sais, je l'aime bien pareil, là, tu sais. Il est fin pareil, là. C'est ça qu'on dit des gros. Oh, il est fin. C'est ça. Lui, il est fin en tabarnouche. Parlant de fin, il a tout le temps fin. Je sais, je le sais. Il y a des bâtantes d'un bas, là, je l'ai vu, là, il est fouillé dedans. Au moins, c'est pas des hamburgers. Non. Non, il fait attention à lui pareil, là, tu sais. Quand même. Ouais. Toi, t'es capable de cuisiner santé? Ben oui. Mais il en veut pas. Ah, ouais, mais cache ta santé dans le fast-food. Du tofu frit, c'est gras pareil. On dira ce qu'on voudra. Ouais, je sais, mais tu sais, maquiller en bouffe, en malbouffe. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Tu sais, quand tu fais l'amour avec, dis-y, « Hey, je suis un tofu, t'es peut-être qu'il va apprendre à aimer ça. » J'ai essayé, puis ça l'a turné off pendant 2 semaines. Ouais, mais faudrait que tu coupes ta luzerne. C'est un hommage à tes cheveux. Mais de toute façon, ouais. Luzerne, pas luzerne, je vais pas y aller. Non? Non. T'es-tu sérieuse? Ouais. Je vais rester avec toi. S'il vous plaît, sur cette première improvisation, à l'aide de vos cartons bicolores, votre vote.
Antoine Bélan. Une comparée pour 1 minute 30 chantée, style power ballade ou opérette, et qui a pour titre « Quelle époque ». Suite à un tirage au sort d'avant-match, le joueur 11 Caron a hérité du premier choix. Caron. Bélan. 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 Power ballade ou opérette? Power ballade. Bélan. Power ballade. Quand j'étais jeune, j'aimais les papillons dans les champs de blé. Je courais main dans la main avec mon caniche. Ce caniche si frisé me rappelle tes cheveux. Tes boutons, oh, j'aime tout de toi. Oh, oh, oh. Caron opérette. Cette comparée, chantez votre vote. Point Caron. Eh bien, match qui commence en force. Real Bélan qui remporte la première improvisation qui était une mixte. Et on vient de voir tout de suite après tout le talent de Sophie Caron en improvisation chantée. Faut dire que Sophie Caron en duel a 83% de réussite en improvisation chantée. Elle en fait vraiment une spécialité. À la LNI, elle a joué plus d'un quart de toutes les improvisations chantées qui ont été présentées depuis son arrivée. Et encore une fois ce soir, elle nous montre à quel point elle est habile dans cette catégorie. C'est 1-1, mesdames et messieurs, de retour au match. Pour 4 minutes libres et qui a pour titre
Je ne peux rien expliquer pour l'instant. Mais... pas facile à partir? Ah, j'en pour pas. Ah non. Je suis mis de la... Il est beau rendu au jour, Colin. Non, oh, moi, je suis mis de la feuille orange, là, tu sais, le petit sable, là. Une orange? Non, 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 là, tu sais, en 4 litres, là. Tu sais, le stuff orange, là. Du crush? Non. C'est pas, moi. Ah non, les garagistes utilisent ça, là, tu sais. Ah, ben oui. Comme du savon rugueux, là. Ah, ouais. Ouais. Ah, moi, c'est parti. Ah. Moi, si tu veux essayer, là. Ah, moi, l'essayer, parce que là. C'est ça. Je suis rendu, il m'est rarci. Ah, ouais. T'as envie de me refaire une nouvelle peau? Concentre-toi là-dessus, là. Puis? Colin. Hein? Miraculeux. C'est écœurant, hein? Hey, ça me fraîche au nord d'agrumes à part de ça. Ouais. Hey, mais allez voir sur Internet, tu n'as pas une autre sorte de fraise ou on va se commander ça. Là, François, là, il va falloir qu'on en parle à un moment donné. C'est du sang qu'on avait dans les mains, là. Je veux dire, c'était pas. Tu sais? Hein? On a pas coupé une dinde de Noël de croche, là. On a coupé quelqu'un. Écoute bien, là. Ben ouais, peur des mots, là. C'était quelqu'un, quand même, là. C'était quelqu'un, ça a fait boum, on l'a mis dans la valise. C'est pas si grave que ça. Je veux dire. Tu sais, je veux dire, il y en a, c'est des écureuils. Il y en a qui écrasent des marmottes. Nous autres, on a écrasé quelqu'un. C'est-tu si grave que ça? On n'a pas fait exprès. Oui, j'ai hâte de te voir devant le juge. Hey, monsieur le juge, je pense qu'il y en a qui écrasent des marmottes. Mais nous autres, c'est quelqu'un. Adjugé, voyons. Oh. Allume, là, François. Il faut qu'on se débarrasse de ça. Là, on le met en morceaux. Ouais. Là, il est bien beau. Là, il est comme dans des petits cubes de glace. Il est prêt à faire des drinks. Mais pas de ça, je veux dire. Il faut faire quelque chose avec, là. Ouais, mais il est pas mieux que moi, prêt à faire des drinks. Oui, tu dis ça devant Dieu, monsieur le juge. On a fait des drinks avec. On ne sait pas si c'est un juge alcoolique. Ça pourrait le charmer. Ouais. Alors, il y a un puits chez Mme Dupuis. C'est ça qu'elle s'appelle de même. Ah, ouais, hein? À l'air à ça. Elle s'appelait Tanguay avant. Depuis qu'elle reste au puits, elle s'appelle Dupuis. Bon. On pourrait le rouler dans une carpette chez M. Carpette? On pourrait faire ça. On va-tu sonner chez Carpette? On prend-tu le char de M. Char? Parfait. Valeur que notre nom de famille soit Nono, nous autres. Ouais. Il est là. Moi, moi. Ah non, on va faire comme si c'est un chauffeur de taxi. C'est pour où? C'est pour chez Monsieur Carpette. Enfin, il est à côté de Monsieur Tuile. Ouais. Merci. Hein, on va faire 12,50. Tiens, il m'en allait payer. Elle dit, quand tu l'as dit, il m'en allait. Ah oui. Hein? Les tapis sont là. Ouais. On y demande-tu, on les prend? Moi, je dirais qu'on le demande pas. Si on le demande, il va dire pourquoi. Si on dit c'est pour rouler quelqu'un dans des petits cubes de glace. Tant qu'à ça, mais je veux dire, si on est accusé de vol en plus, là, je pense que ça peut nous nuire. Pénalité au numéro 11, Caron, et Bélan, numéro 13, pour manque d'écoute. Je pense que vous n'êtes pas allé bien, bien du côté de chez Dupuis dans le puits, n'est-ce pas? OK. Alors, sur cette improvisation, d'une façon claire et précise, votre vote. Point, Caron. Une mixte.
pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre Arizona. Chaque fois que j'utilise mon Arizona, les femmes courent après moi. Car Arizona, c'est le meilleur désodorisant. On va la faire. Oh, on va la commencer. Ça sent le désert. Wow! Oh. Vous voyez ce que je disais? Arizona, pour les hommes. Non, pour les femmes qui aiment leurs hommes arides. OK. Je suis pas à l'aise. C'est qu'elle finirait plus. Moi aussi. On va la reprendre, OK? Oui. Oui, s'il vous plaît. Oui. J'aimerais mieux. J'aimerais ça qu'on la reprenne. OK. Attends un petit peu. Faut que je m'étende. Oh, excuse-moi. C'est beau. OK. Attends. Ah, OK, je l'ai. OK. Chut. Vous savez, dans mon métier, chaque fois que je vais dans le désert, c'est important d'utiliser Arizona. Arizona en splay ou en bâton, c'est ce qu'il me faut car les femmes me collent après. Excuse. OK. Allez sur cette improvisation ensemble. Votre vote. Juste avant la pause, on a vu l'arbitre Ponton sortir son gazou pour la première fois. Il a donné une pénalité de manque d'écoute aux deux joueurs, deux personnages de la famille Nono qui s'en allaient chez Monsieur et Madame Dupuis. Madame Dupuis, il y avait peut-être un manque d'écoute. C'était peut-être aussi une volonté de l'arbitre Ponton de stimuler les joueurs, les inviter à plonger dans la situation. On a beaucoup parlé de la situation sans vraiment y arriver. On s'est peu occupé du cadavre en question. Et après ça, on a commencé une improvisation en simulant une publicité. Arizona s'est très bien sorti. C'est maintenant 2-2. De retour au match. Une comparée pour 30 secondes, libre, et qui a pour titre « Jusqu'à mon retour ». Bélan. Caron. Caron. Ma maman, elle me dit de pas bouger jusqu'à temps qu'elle revienne. Mais là, j'ai bien compté, ça fait 3 ans qu'elle est partie. J'ai mal aux fesses. OK. Écoutez-moi bien, mes petits bébés, mamottes, OK? Papa s'en va, OK, faire une petite commission, OK? Vous m'attendez, vous ne bougez pas d'ici, OK? S'il vous plaît, comme je vous ai bien briefé, OK? Viens-t'en ici, toi, j'explique des choses, va-t'en de l'autre côté, OK? Vous m'attendez, je reviens tout de suite, OK? Attention, s'il vous plaît, avec autant de précision que les deux joueurs ont comparé votre vote. Point, Bélan. Une mixte pour 4 minutes 30 secondes à la manière d'un film noir et qui a pour titre « Les larmes jaunes ».
Je t'avais pourtant dit de ne pas venir ici. Je t'avais bien averti de ne plus jamais revenir ici. Tu es encore là. J'ai pas d'endroit où aller. T'as jamais d'endroit où aller. Mais ici, c'est pas ton endroit. C'est mon endroit, à moi. Pourquoi je t'ai dit c'est de ton ne plus endroit? Mettre les pieds ici. Et quand tu vas sortir de ma vie, hein? Quand vas-tu sortir de ma vie? Quand je serai morte, complètement vide, lessivée de tout. Quand tout le sang qui coulera dans mon corps sera de l'alcool, quand sortiras-tu de ma vie? Spacey! Et moi aussi, j'ai de la peine. Quand tu me parles de cette façon, tu sais pas ce que je ressens. J'ai mal. J'ai mal. Tu sais que je ne bois plus. Pourquoi tu essaies de me tenter depuis toujours? Tu ne bois plus. Il ne boit plus. Non. Il ne boit plus. Non, je ne bois plus. Pauvre petit être qui ne boit plus. Mais pourquoi ça? Vous ne buvez plus? Eh bien, pardon, je vais boire pour vous. C'est ça que j'aime pas quand tu fais ça. Ça me dégoûte. C'est... C'est toi qui m'as montré. Tu m'as tout appris. Quand j'étais petite, tu es venu me chercher chez mes parents. Tu m'as dit, viens, tu as une belle gueule. Je vais faire de toi une star. Ouais, mais... Tu as fait de moi une star des bars. Tu as trop fait de bars, justement. Tes yeux sont jaunes. Tu pisses du jaune par les yeux. C'est le scotch que tu m'as fait boire. Ce premier scotch que tu m'as fait boire. J'avais 12 ans, je me souviens encore cette chaleur incroyable qui parcourait tout mon corps. Quand j'ai bu ce premier verre de scotch, j'ai compris que c'était fini. C'est pas fini parce que je suis venu t'apprendre une nouvelle. Ils ont appelé. Nous avons un foie pour toi. S'il te plaît, ne me dis pas que tu vas me donner le tien. Non, c'est pas le mien, c'est un foie d'un athlète. Mais tu ne veux pas comprendre. Je n'en veux plus de cette vie-là, je n'en veux plus de vie, je n'en veux plus, je ne veux plus de rien, je veux que tu t'en ailles. Que tu me laisses seule ici. Je vais mourir enfin toute seule. Je vais terminer cette vie. Je ne veux pas d'un foie. Je n'en veux pas. Je ne veux surtout pas. Avec un foie neuf, tu vas capoter bien raide. Je te jure. C'est ce que tu m'as dit la première fois quand j'avais 12 ans. Tu vas être une star. Tu vas capoter bien raide. Eh bien, oui, je capote. Et assez raide, merci. Mais là, tu vas me laisser seule. Ici, tu vas sortir de ma vie une fois pour toutes. Parce que... Je n'en peux plus de toi. Je cesserai de t'aimer quand je serai morte. Susie, laisse-moi une chance. Je t'en ai laissé 2000. Je l'ai avec moi, il est dans un Ziploc. Je l'ai dans ma voiture, je vais le chercher. Spacey, c'est de l'acharnement médical. C'est pas de l'acharnement. C'est un foie. Allez, prends-le. Essaie de te faire ami avec... Je vais lui présenter ma meilleure amie. Je te présente ma meilleure amie, Red Label. Pénalité au numéro 13, Bélan, pour confusion. Et il venait d'appeler pour le foie, mais le foie était dans le trac, dans le capot du char. En tout cas, il était bien proche. Alors, suite à ces deux fautes, le joueur Caron prend un point. Et sur cette improvisation, d'une façon claire et précise, votre vote. Point Caron.
suis avec nos deux joueurs, Réal et Sophie. D'abord, félicitations à vous deux. Ça va très bien jusqu'à maintenant. Oui, oui, je pense que oui. Réal, tu as eu une carrière fulgurante en improvisation jusqu'à l'âge de 15 ans. Oui. Et depuis, pas trop d'improvisation. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien. J'aime ça. Je trouve ça amusant sans les boutons que j'avais à 15 ans. C'est pour ça que j'ai arrêté. À cause des boutons? Non. Sophie, en préparant le match, je te décris Réal comme un homme d'un calme déroutant. Oui. Est-ce qu'il te déroute jusqu'à maintenant? Comment ça se passe? Réal, c'est une force tranquille. Il est vraiment... Il y a le silence heureux. Or, à un moment donné, tu te dis, OK, faut-tu que je parle, faut-tu pas que je parle? Puis là, ben, tu le regardes, puis il est un peu hypnotisant. Fait que faut que je fasse attention. T'as peur de tomber dans un état d'hypnose. J'ai peur de tomber dans les pommes, puis tout le kit. Sophie mène par un point, Réal. Est-ce que tu as une stratégie pour gagner ce match? Non. Non? Sophie, bonne chance. Merci. Réal, bonne chance. Je vous invite à regagner la patinoire. OK. Oui. Merci. Allons-y. Alors, il reste que quelques improvisations à ce match-là. Et j'aimerais en profiter pour souligner le travail d'Éric Desranleau, notre musicien, dans les improvisations chantées, mais aussi dans la dernière improvisation, Les Larmes jaunes. Il fait un travail exceptionnel. Alors, de retour à Yvan Ponton et surtout, de retour au match. Une comparée pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « Écoutez-moi bien ». Caron. Bélan. Écoutez-moi bien, OK? Là, vous savez, c'est une grosse chaîne d'alimentation. Quand on est caissière, OK, ce qu'il faut faire, là, c'est, je sais, c'est votre première journée, puis bon, tout ça. Là, quand vous passez, premièrement, les gens vont arriver, ils vont avoir un gros panier. Là, vous les laissez défaire, OK? Vous leur dites pas bonjour tout de suite. Vous les laissez, tu sais, je veux dire, il faut les laisser respirer un peu. Là, ils sortent leurs choses, et vous allez le sentir. Le moment où c'est qu'il faut leur dire bonjour, ça va bien? Tu sais, avec un sourire, mais, tu sais, rien de trop, on se comprend là-dessus. Je sais, vous avez déjà de l'expérience. Si vous êtes ici, vous avez de l'expérience, tout ça. Mais là, c'est une grosse chaîne. Là, c'est quelque chose de gros. Alors, ça fonctionne ici tout au laser, ce qu'on appelle des scams. OK, ça fait 3-4 ans que les scams sont rentrés, nous autres. Alors, quand vous prenez les aliments, OK, vous scannez, vous pouvez avoir des petits problèmes. Vous essayez de scanner 2-3 fois plus proche, tout ça. Sinon, il y a un code. OK, le code est sur le côté. Vous pouvez envoyer l'emballeur, le voir, le prix. Et mais vous pouvez aussi, il y a un petit livret en dessous. Vous sortez le livret, OK, vous regardez comme il faut l'aliment. Parce que j'ai déjà vu des gens qui pensaient que, bon, j'ai le bon prix, c'était pas le bon prix. En tout cas, des anecdotes comme ça, j'en ai plein, on va capoter tout à l'heure. Alors... Bon, ce qui est important, OK, c'est quand ça, mettons, c'est une cantaloupe. La cantaloupe, elle ne scanne pas. OK, il y a une petite balance sur la caisse, on la met dessus, OK? Et sur le côté, c'est toujours à votre droite, et c'est la madame est là, l'écran est là. Vous pouvez jeter un coup d'œil à madame pour voir, parce qu'il y en a des fois qui essaient de t'assiner sur le prix. C'est une cantaloupe et 1,50, elle l'a vu dans les fruits. OK? Alors, vous lui dites 1,50 et vous la regardez dans les yeux. Faut être sûr quand on dit un prix de cantaloupe. Premièrement, je sais, on dit un cantaloupe, mais moi, je dis cantaloupe parce que là, c'est commun, puis je vais pas vous mélanger tout de suite. OK. Pour ce qui est des raisins, OK? Bon, moi, je les appelle les cochons, les truies, appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui le mangent pendant qu'ils font la commande. Ils arrivent, puis il reste la moitié de la gratte. Ça, c'est pas grave. OK, on passe l'éponge là-dessus, c'est pas grave. OK, à moins là, qu'il reste un raisin, c'est une grappe de 50. OK, et quand les gens achètent comme, je dirais une commande qui dépasse le 100 $, on donne quelque chose. Et c'est souvent les choses qui sont un petit peu passées de date, mais ça, on le dit pas. OK? Bon, là, les amis, tu t'assis. Là, les amis, tu t'assis, s'il te plaît. S'il te plaît, tu t'assis, les amis.
Les amis, s'il te plaît, tu t'assis. Tu t'assis, s'il te plaît, les amis. Les amis! Les amis, s'il te... Donc, salopette, elle bougera pas. Salopette, elle bougera pas parce que tu t'assis pas, l'ami. Qu'est-ce que j'ai dit, Samuel André? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit, Samuel André? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi j'ai dit? J'ai dit quoi? Hein? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Dis-le, qu'est-ce que j'ai dit? Je vois-tu le dire, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Assis-toi, l'ami. Assis-toi. Assis-toi. Salopette, t'es pas contente? Ça a pris une minute et demie avec l'ami Samuel André comprenne qu'il faut s'asseoir. Assis-toi! Tu fais poireauter toutes les autres, Samuel André. Tu es sourd, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, on a une sortie. Là, tu dois écouter les règlements du début à la fin. Et si je finis de dire les règlements à 4h moins quart, quand ton père va nous attendre à la porte, ben, il va être trop tard! Bon, règlement numéro 1. Tu dois parler doucement. S'il vous plaît, sur cette comparée, votre vote. Point Caron. Juste avant la pause, on a eu droit à deux belles improvisations comparées, celle de Sophie et celle de Réal. Ce qui est intéressant dans ces comparées solo, c'est que les joueurs doivent faire des choix importants. D'abord, quel personnage ils vont incarner et aussi à qui s'adresse leur personnage. On a eu droit à deux improvisations d'une belle absurdité de personnage de Réal qui donne un cours à des caissières, caissiers. Et Sophie, qui incarnait une technicienne en service de garde, un peu à bout, et qui disait à l'ami, assieds-toi, ami. Ça a permis à Sophie de prendre les devants 5-3. C'est une avance importante parce qu'il reste très peu d'improvisation. Et dans ces matchs, le score final est souvent très, très serré. De retour au match. Une mixte pour 3 minutes 30 secondes, libre, et qui a pour titre « C'était pour bien faire ». Pas une brune décision. Ça doit être important. Pour bien faire 15 ans, t'en as pas pris. Là, j'ai chaud, là. C'est normal. Un peu, là. Essayer de me suivre. C'est ça qui est tough. Ouais. OK. Mes faux bras, là. Je laisse tomber ça. Je suis plus capable de les contrôler. Tu sais, je sais, ils m'ont dit, bon, OK, avec le nouveau système, les nerfs sont supposés les envoyer où si tu veux. Marche pas. Tu veux redevenir manchot? Dis pas ce mot-là. Là. Pingouin? J'aime mieux trouble d'adaptation. Dans la société. OK? OK. L'autre fois, j'ai voulu me moucher, là. Je me suis joué après le lobe pendant 15 minutes, là. J'avais l'air fou. OK? Je suis capable. Hey! Où c'est que tu vas? Je vais chercher mes outils. Essaye pas de me faire une coupe de cheveux. OK. Je te trosse pas. Hey! Hey! Juste une minute. Ah! Minute. Juste minute. Je fais à l'heure. Tu vois, je fais à l'heure. De toute façon, tu me le dis, je comprends, tu sais. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi, t'es un peu. Tu touches.
tu touches un point, là. Je veux dire, ouais, c'est ça, tu comprends? Tu vas chercher tes outils, mais c'est pas pour me monter ça tout de suite, là. Moi, on m'a passé par la clinique. Ça me dérange pas d'attendre, là. Tu vas pas monter ça là, là. Ah! Tu voulais monter ça là? Ben, tu m'as acheté un beau coffre à outils à Noël. Oh, j'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Oh, mais je t'ai acheté un coffre à outils, ben, je suis capable de me servir de ça. Je peux même t'es enlever à niveau. Écoute. OK, on va aller à la clinique. Maudit que t'es conventionnel depuis que t'as des faux bras. Écoute, viens-tu m'aider? Mais écoute, passe pas. On va passer par la porte patio. OK. Ça, ce porte patio-là, depuis qu'ils nous ont posé ça, m'a dit en fait, t'as-tu manqué qu'il fait plus frais l'hiver? Ben oui. Si, voilà. Comprends, mais on est rendu avec 4 patios, par exemple. Comprends. Les voisins sont jaloux, ils en ont plus. Des avantages, ça. Bon. Valeur qu'on n'avait pas de cours. Hey. On a tout mis sur le driveway, hein? Ouais. Allez sur cette improvisation, ensemble. Votre vote. Point. Bélan. Une mixte. Pour 2 minutes 30 secondes libres et qui a pour titre Sans problème. J'ai fait ton poulet préféré, Minou. Je me suis dit que t'allais aimer ça. Fais attention, s'il vous plaît. C'est la première fois quand même que tu essaies vraiment la vraie recette créole puis tout ça. Puis... Oui. J'ai mis du blé d'Inde puis ben du tabasco. Ça devrait être bon, là. Ça oui. Devrait être bon. Juste une affaire, je savais pas que les haricots fallait les faire cuire avant. C'est un peu dur, mais en tout cas. Sans problème. Sans problème pour les haricots, y'a pas de problème. Tu déranges pas. J'ai vraiment hâte de manger. La 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 la. Je veux que tu te sentes chez toi. Ça me touche ici. Voudrais-tu aller faire un tour de taxi? S'il vous plaît. J'aime mieux pas le dimanche, hein, parce que je les connais presque tous. Et c'est dimanche, je sais qu'ils aiment pas ça. Mais lundi, si tu me l'offres lundi, j'aimerais ça. D'accord. Mais en tout cas, on mange à terre. Ouais, mange à terre, mais pas avec les ustensiles, hein. Mais non, mais... Voyons donc, tremblement de terre, vous avez eu, il y en a plus d'ustensiles chez vous. Il y a plus rien. S'il vous plaît, moi, j'aime pas ces trucs-là. Okay. Oh non, c'était pas une blague, c'était... Non, non, c'était... Non, mais... C'était du malaise. Okay. Je suis mal à l'aise. Hein? Je suis mal à l'aise. OK, est-ce que t'aimerais mieux... Ça pique, les noix de coco. Ah oh, non? Je suis mal à l'aise dans mon saut en banane. Non, tu peux enlever le saut, tu peux l'éplucher. Épluche-toi. Il y a une danse dans mon pays, les seins sont bien banane, il s'épluche. Épluche-toi. Mais ça se peut que tu sois ébloui, là, parce que je suis un petit peu moins grillé que les gens dans ton pays. Ah, barouette. Aïe. Appelez-moi Dole. Aïe. Tu aimes me maquiller le bout des mains bruns? Non, c'est la première fois
que vraiment je vois à la lumière du jour, parce que je sais que tu es gêné quand on fait à l'amour, mais je trouve ça intéressant, les blancs, comme ça. Mange ton poulet. Mange ton poulet. Je pense que j'ai faim. Viens manger. Attention, d'une façon claire et précise, votre vote. Point Bélan. Le match étant égal à ce stade-ci, nous allons en prolongation. Dernière improvisation. Et c'est une comparée pour 30 secondes, libre, et qui a pour titre « Pas très propre ». Bélan. Caron. Caron. Oui, par là, la chambre. Oui, ah oui. OK, bouge pas, je vais juste aller faire ma vaisselle. J'avais pas prévu d'en sauver quelqu'un, OK, ça sera pas long. Oui, oui, continue, entretiens-toi. Oui, oh, oh oui, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Oui, un peu de blanc, t'as-tu du blanc? Donne-moi tes bobettes. Oui, oui, c'est bon. Alors, docteur, depuis que je suis allé à la chasse, j'étais parti 2 semaines, on ne s'était pas lavé. Et puis, ça fait 6 ans, je ne me suis pas trop lavé. J'ai des verres, OK? Je commence à perdre mes ongles, OK? Je ne me mouche plus. Les gens ne me parlent plus à cause que j'ai des croûtes. Les bâtons de désodorisant me boudent. Dr. Schull, c'est un ennemi. Écoute, je suis sale à l'intérieur et à l'extérieur, docteur. Aidez-moi, s'il vous plaît. Attention, fin de match, s'il vous plaît, sur cette comparée. Votre vote. Point et match, Caron. Et voilà, mesdames et messieurs, Sophie Caron, tête de série numéro 3 de ce tournoi, qui passe en quart de finale, mais de justesse. C'est cruel d'aller comme ça en supplémentaire, de jouer tout un match sur une comparée de 30 secondes. Ah, bravo, Sophie. Merci, merci. Comment te sens-tu? Mais soulagée. Réal, c'est la première fois que tu fais ce genre de match un contre un. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as aimé ça? J'ai adoré ça. Honnêtement, surtout improviser avec Mme Caron, c'était incroyable. Oh, pour vrai, enfin. Pour vrai. Mais bravo à vous deux. Réal Bélan, mesdames et messieurs, et Sophie Caron, qu'on va retrouver en quart de finale. Merci à vous deux. Et merci pour ce très, très, très beau match. Yvan, je ne sais pas ce que tu as pensé du match. J'ai trouvé qu'il y avait un haut niveau de jeu dans ce match-là. Les improvisations étaient riches. Mais je trouve aussi qu'il y avait une certaine générosité chez les joueurs, une certaine camaraderie malgré la compétition. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, on n'a absolument pas senti la compétition. Et c'est de cette façon qu'il faut que ça se fasse, justement. C'est de cette façon-là qu'on a avancé. S'il y a eu quelques pénalités, c'était des choses techniques, dans le fond. Mais on était toujours dans l'écriture. Et ce que j'ai aimé, ça a été comme ça. Je veux dire, c'était en progression, mais c'était cette recherche de personnages-là aussi. Évidemment, à la fin, hein, je veux dire, bon, oui, ça prenait un gagnant. Mais cette gagnante-là, Caron, on a vu, tu as donné ses statistiques en début de match, et on a vu comme elle avait du métier. Alors en 30 secondes, tout ce qu'elle a fait, finalement, quelle que soit son histoire, elle a tout simplement haussé la qualité de son énergie. Elle nous a amené quelque part ailleurs, mais elle était fougueuse à la fin, et je pense que c'est comme ça qu'elle a décroché le point. Yvan, je vous laisse aller vous reposer. Oui, parfait. Merci beaucoup, et vous, je vous invite à rester avec nous, en fait, à être avec nous la semaine prochaine pour la suite de ces grands duels de la LNI. Merci, au revoir.